T'as vu Michel Onfray sur LCI? Il a dit que le viol c'était une idée. Il est meilleur comme idée quand même. Hein. Non mais parce qu'en fait Audrey Crespo Mara lui a demandé son avis sur l'affaire Darmanin, parce que c'est Michel Onfray et que bah on ferait quoi sans son avis? Et il a répondu, n'oublions pas qu'il s'agit d'une call girl déjà, et qu'on ne savait pas comment elle était habillée. Non mais c'est vrai, parce qu'une call girl par définition ne peut pas se faire violer. Bah, et ça se saurait sinon. Hein. Mais non, puisque c'est son boulot d'avoir des rapports sexuels. Mais non, pas de se faire violer. Mais elle ne peut pas se faire violer vu que c'est son boulot d'avoir des relations sexuelles. Bon, écoute, c'est comme une femme mariée. Elle ne peut pas se faire violer vu que c'est de son mari dont il s'agit. Quoi? Ça existe. On a fait un film dessus. On devrait peut-être l'envoyer à Michel. Hein. Il l'a peut-être pas vu. Hein. Parce que honnêtement, Michel, entre nous, le coup de... le viol, c'est le regret d'une liberté sexuelle qu'on se serait octroyée jadis. C'est limite. Si, si. C'est limite. T'as vu Doritos, ils m'ont inventé des chips pour femmes. Je comprends pas pourquoi. Mais parce que celles pour les hommes sont absolument impossibles à manger, enfin. Ça fait 20 ans que j'ai essayé de savoir comment me délecter de ces choses avec classe. C'est avec classe que j'admire si tu permets, comme moi. Tu veux savoir, pour moi c'est libérateur. Ah, bah je pèse mes mots. Tu me crois pas? J'ai l'air idiote. Alors que mon mec, lui, s'en fout partout de la même manière, mais intelligemment. Hein? Avant même rentrer dans nos sacs à main. Comment ça, j'ai pas de sac à main? Bah j'en achèterai, hein, voilà. Ce sera un sac à Dorito. Le triangle. Symbole phallique par excellence. L'invention n'a plus de limite. En fait, une croqueuse d'homme, c'est une fan de Doritos, quoi. T'as vu, Enya, il a dit, si je vois un migrant pieds nus dans la neige, je l'aide. En lui donnant à manger, du réconfort, et en le ramenant à la frontière. Bah attends, déjà, il a dit du réconfort. Hein. Si vous faites partie de l'humanité, vous aurez des problèmes. En même temps, tu ferais quoi, toi, si tu voyais Enya marcher pieds nus dans la neige? Une photo? Ah oh ouais, pas con. Cool.